officiel qui fait partie du fleuron tricolore arbitral également au niveau international qui nous représentait aux derniers Jeux Olympiques de Londres en 2012. Va donc remplir la fonction de directeur de combat de la finale des poids moyens. Entre 69 et 75 kilos, en trois reprises de 3 minutes, le premier à se présenter à vous est affecté au coin rouge. Il vient du comité régional des Pays de la Loire, sous les couleurs du boxing nazérien. Il a été champion d'Europe junior en 2013, vice-champion 2014. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on accueille Christian Mbele-Sambo. Effectuer son 62e combat dans quelques instants. On accueille Patrick Hale. Première reprise, applaudissements, encouragement pour les deux boxeurs, merci pour eux. Alors là, on a passé ta catégorie, hein, les 69 kilos. Voilà, c'est bon. Là, c'est mais là, c'est parce qu'on était avec l'entraîneur de l'équipe des filles. Ouais. Des filles. Ah ouais. Et donc voilà, là maintenant, on est au match numéro 10, numéro 9. Ouais, Billy. C'est les 75 kilos. 75 kilos, ouais. Avec M. Billy Assomo, ouais. Qui est donc français. Ouais, et qui est de Saint-Nazaire. Contre, et l'allemand, contre Patrick Hill. Ouais. L'allemand, donc ça a commencé. Ouais. Là, on sent hein, les coups quand ça part. Oui, mais c'est il est déjà blessé. Ah, il y a déjà, oui. Une blessure à l'arcade gauche. Ouais. Ah là là. Donc ça boxe bien quand même. Hein. Ah oui. C'est l'allemand qui est blessé. Ouais, l'allemand est blessé. L'allemand est blessé. Alors que ça fait à peine une minute qu'on combat, là, ça donc va être difficile de tenir. Est-ce qu'il peut tenir Oui, il peut tenir. Les trois, après, trois... Est-ce que ça pas... dépend de l'arbitre. L'arbitre et puis l'état de la blessure, quoi. Je pense qu'ils feront, s'il y a vraiment, ils feront venir le médecin pour voir s'il peut continuer ou pas. Tu as combattu, toi, avec une arcade ouverte oui, une pommette aussi, bien sûr. T'as réussi à faire ton combat quand même. Oui, en professionnel, on a souvent des... Ah, on voit toujours une espèce de stylo là, qu'on met sur la blessure. C'est quoi ça? Un fer, là, non, c'est ça? C'est un fer, oui. C'est un fer, oui, mais ça, c'est pour écraser les hématomes. Non, mais quand tu as des...
On voit des fois ils te mettent une espèce de pommade très grasse. Ah, c'est de la vaseline ça. De la vaseline. Ouais. Permet d'arrêter le sang de couler. Ouais, il y a une période où si on mettait un produit, mais souvent les Italiens le mettaient. Ça glisse. Ça s'appelait le collodion. Le collodion, c'est ce qu'on servait pour faire les. Pour redresser les oreilles de chien. Le collodion, ouais, parce que le collodion, ça a une forme de colle de plastique, transparent. Et les chiens, quand ils avaient les oreilles cassées, on leur mettait du collodion sur les oreilles pour que les oreilles restent droites. Les Italiens se mettaient souvent des films comme ça, quand ils se faisaient couper, le sang restait à l'intérieur de la poche. Donc c'était interdit ça, mais bon, il y a une période, ils pouvaient se le permettre. C'était des malins déjà. C'était des malins, oui. Ça a toujours été des. Mais moi, bon, j'ai pas à regretter mes combats en Italie. Hein. Ah oui. Donc t'as toujours été royalement, très bien payé. Eh oui, j'ai travaillé avec les Branchini, Carchi, donc c'est des gros hommes d'affaires italiens. Hein. Est-ce que tu as connu certains Calamati? Non, j'ai connu les frères Stecca. Les frères Stecca, ils ont tous les deux été champions olympiques. Fin de la première reprise, Croix Rouge, Christian Emilie Assemo qui dispute son 38e combat. Sacré champion d'Europe junior. D'août 2013, c'était à Rotterdam. Alors là, c'était une première reprise très bien, équilibrée. Hein, au continental, équilibré. 11e ouais. De l'histoire. Le premier était. Je dirais un petit avantage au rouge. 1924 à Paris. Au français, là, de. Ouais. De Saint-Nazaire. De Saint-Nazaire, oui. Il va être content, notre copain, si tu lui dis ça, Stéphane. Il est bien. Caseux. Ouais. Il est bien, il a bien maîtrisé. Parce que c'est son poulain. Et puis ça tape dur, hein, quand même. Hein. Ah oui, là, on sent que... Ah bah, à ce niveau, l'erreur, elle est fatale. Hein. Enfin, c'est toujours très difficile de faire un classement de boxeurs, mais ouais. Quel est celui qui t'a... Peut-être pas forcément le meilleur, mais celui qui t'a plu le plus dans tout... Enfin, pas que dans ta carrière, mais... Deuxième reprise. Dans l'histoire de la boxe. Toujours un peu de bruit, toujours un peu d'ambiance pour l'encommunité. Il y a vraiment des boxeurs qui sont... Moi, je trouve Hagler, j'ai toujours bien apprécié Hagler, quoi. Marvin Hagler, ouais. Marvin Hagler, je pense que c'était quelqu'un qui était pas forcément fort techniquement, mais fort mentalement et physiquement. Et les grands noms qu'on connaît tous, les Mohamed Ali, Mike Tyson, ouais, mais Ali, Bucci, les Monzon. Ouais, je me souviens d'Ali, je me souviens de Monzon Boutier. Mais Monzon, oui, c'était un grand monsieur, quoi. Mais j'avais une préférence quand même pour Hagler, quoi. Hagler. Là, c'est toujours équilibré, deuxième. Ah ouais, c'est pas mal. Hein, t'as jamais pensé pour continuer ta carrière à monter en poids? Non, parce qu'il y a un poids de forme. Bah, ceux qui montent en général, c'est ceux qui veulent plus bosser. Bah ouais. Ça n'a pas touché là. Non, ça n'a pas touché. C'est du cinéma, ça. Vraiment, il faut bien que... Voilà, là, il a touché. Mais... C'est dur de courir après. Hein. Ouais. Courir. Là, à ce niveau-là, il faut faire beaucoup de musculation pour... Non, il faut savoir travailler les deux, la vitesse... On voit qu'ils ont quand même des muscles bien... Ouais, mais c'est catégorie... Ça, c'est les garçons qui ne pourront pas monter de catégorie, ils sont quand même assez petits pour des catégories comme ça. Là, c'est quoi? C'est du 70 kg, 75 kg. 75, ouais. C'est des petits gabarits, hein, ça. C'est des mecs à 75 kg, souvent ils font 1m80, 1m82, hein, déjà. Ouais. Il va le compter, là? Il va le compter, oui. Normal ou c'est il a glissé normal, ou il a été touché? Ouais, mais bon. Tu entends, fais-le reculer, c'est un gaucher. Quoi. Ah là, c'est un petit recul. Ce que je disais tout à l'heure, toi, le gaucher. Ouais.
Toujours équilibré pour toi ? Eh oui, c'est équilibré, mais ça se vaut bien les deux, hein, je trouve. Ils se défendent bien. Hein. Oui. C'est un beau, oui, c'est un beau match, c'est un beau combat, ouais. C'est un beau combat. Le combat malgré tout. Je lui donne honneur à lui, moi aussi. Là, tu dis la deuxième reprise. Là, si en plus après un avertissement. Oh, il a été compté, pardon. D'accord, donc c'est toujours le français qui est un peu en tête. Le Saint-Nazairien. Après, on a un Germain contre un Suisse. En deux dieux. En deux dieux, ça va y aller. C'est près de l'Italie. Donc t'habites en Italie, toi ? Non, non, j'habite à Paris. Tu travailles pour l'Italie ? Non, en fait, on le fabrique ici en France. D'accord. C'est une revue qui c'est est quoi, comme revue ? C'est une revue qui est destinée toi, à la voix des Italiens de France. D'accord. Ah. C'est tout ce qui se passe d'Italien en France, en fait. D'accord. Donc on essaie de montrer comment les deux cultures se marient. Se marient. Il y a quand même 5 millions de Français d'origine. Soigné en or. Je te la donne, tu l'emmènes. Troisième et dernière reprise. Allez, on les soutient, on les encourage. Intense là, c'est. Ah oui, oui, oui. C'est oui, rond. C'est là, imagine si c'était 12 rounds. C'est la plus belle des catégories, ça. Il y a la sienne en dessous. Mais ça, je veux dire, c'est costaud. Oui, parce que ça va vite hein, en plus. Ça va vite. Ça tape et ça va vite encore. Après, dans les plus après, gros. Après, c'est ça plus. Lourd. Ça tape c'est et c'est quand même pas puissant. Hein. Parce ah que ouais. Je peux, ouais. Voilà. C'est quand même beaucoup le poing un peu ouvert. Hein, quand même. Ah ouais, ouais. Après, quand on monte dans les catégories, c'est le point fermé. Pas pour... Non, mais là, c'est très amateur. C'est très, ah, c'est amateur. C'est très amateur. Les gants sont plus gros déjà pour les amateurs. Ils ont un bon niveau, là, quand même. Ah, les gants sont plus gros que les amateurs. Ah, ouais, les amateurs. Ça fait comme différence. C'est du 225, ça peut aller à 178. Hein. C'est énorme, parce que c'est le matelas. Hein. Ah d'accord, oui, donc quand ça tu tapes, tu fais un peu moins mal que si, c'est, ouais. Si le matin est moins ouais. Épais, quoi. Pour l'instant, toujours le rouge. Ouais, c'est équilibré, hein. Là, il travaille, même s'il touche pas, il travaille. Il montre qu'il est en exercice, il est en mouvement, quoi. Il est courageux. Hein, ils sont... T'as changé d'entraîneur dans ta carrière ? Une fois, deux fois. Hein. Américain et français. Ah mais c'était pas parce que t'es de la compatibilité d'humeur ou non, quoi, non, non, non. C'est parce que t'es parti en Amérique et donc ouais. Du coup... Fin du combat. Et c'est notre ami Renzo Frizzardi qui est le vice-président du comité régional de la Lazio, donc dans la région romaine, bien sûr, comité régional de la Fédération Pugilistica Italiana. Fidèle parmi les fidèles qui accompagnent à chaque fois donc, l'entente, soit le club de Monfalcone et l'entente interclub.
et qui a d'ailleurs invité notre ami Tony Salvatore avec une sélection de pugilistes valdoisiens, voire franciliens, à plusieurs reprises pour des échanges pugilistiques, mais pas seulement, également du football, du tennis, du volley. Décision unanime et donc déclaré vainqueur de ce combat et sacré vainqueur des ceintures 2014, Red Corner, Christian Mbele-Rasafo. Voilà, notre ami Renzo Frisardi, vice-presidente de la région de la Lazio. Federazione Pugilistica Italiana. Là aussi, il faut souligner la performance du boxing nazérien, qui a engagé deux boxeurs, et deux sont en phase finale. La moitié du travail est déjà réalisé, puisque Christian Mbele-Rasafo remplit le contrat. Bravo. On peut applaudir également Patrick Hill, puisqu'il boxe avec un handicap, il lui manque trois doigts sur la main droite.